Alors, il est 11h, là je vais manger et aller à la sieste parce que je suis crevette. Je n'ai absolument pas foutu grand-chose depuis ce matin. Je n'ai rien foutu d'ailleurs. Je réfléchis, mais je crois non, j'ai rien foutu, clairement. Je suis crevette et je vais attacher mes cheveux d'ailleurs. Tout à l'heure, on doit aller chez mon frère déposer les cadeaux d'anniversaire de ma filleule, mon neveu et ma nièce. Et voilà, donc j'allais me reposer un petit peu avant. J'ai fait des commandes pour le petit Yeshua. Je crois que Chéri a l'intention de m'emmener directement le chercher le 4. C'est à partir du 4 qu'on peut aller le chercher seulement. Et comme c'est un mercredi et que Sam a rendez-vous chez l'ORL, peut-être bien qu'il va prendre sa journée pour m'emmener. Elle n'arrête pas. Riley, Riley, laisse-le. Il dort. Pile. Et on discutait pour faire l'enclos. Je vous montrerai un autre jour parce que là, il ne fait pas super. Beau. De toute façon, il fera pas super beau d'ici longtemps. J'aimerais bien qu'on le commence assez vite pour être sûr de l'avoir avant le chat en fait, puisque j'aime pas habituer les chats à la litière à l'intérieur. Donc là, comme il sera en enclos, il ira forcément dans une litière, mais j'aimerais bien l'habituer à directement demander à sortir par la fenêtre, vu qu'il aura déjà 4 mois. Donc voilà, parce que normalement mes chats n'ont pas de litière à l'intérieur, sauf quand ils sont tout petits ou tout vieux, comme Damon à la fin, qui demandait moins pour sortir. Et du coup, je vous montrerai l'emplacement, mais ça lui fera déjà un bel enclos. Voilà, je préfère ça plutôt qu'il disparaisse et qu'on me le vole. Alors, oui, par rapport au prix, mais pas que ça, c'est que voilà, c'est un chat qui aura tendance à susciter la convoitise vu le prix de ces chats là, mais je voilà, si on me le vole, je vais être dans tous mes états. Donc pour mon bien-être mental, il vaut mieux qu'il soit en sécurité à l'intérieur dans son grand enclos. Et voilà, donc ça, j'ai hâte de commencer aussi. J'ai commandé plein de choses. Et déjà sur Vinted, j'ai trouvé deux paniers et un grattoir. Les paniers étaient à 5 euros pièce et le grattoir était à 2 euros. Donc je les ai pris, enfin un griffoir quoi, pour faire les griffes. On va, avant de l'avoir, lui installer le panier quand j'aurai reçu au mur et lui faire un petit taxet avec les rondins que je mets souvent sur ma boîte là, sur ma table. Faire comme deux petites marches pour qu'il ait accès au panier. Maintenant, je ne sais pas lequel je vais mettre, puisque j'ai commandé un hamac en macramé et un beau panier en fer forgé, et enfin en métal, on va dire, parce que certainement pas du vrai fer forgé, avec un espèce de hamac en tricot comme ça. Il est sublime. Et j'ai pris aussi un, enfin, c'est un rond comme ça avec une toile qui s'enfonce quand le chat se met dedans. Ça, je lui mettrais peut-être en haut dans la chambre. Ou alors, je lui crée moi-même un panier pour mettre dans la chambre et qu'on lui mette au mur, un petit peu au-dessus du lit. Comme ça, j'aimerais bien qu'il s'habitue à pas dormir dans le lit. Parce que, bon, un Maine Coon en plus dans le lit, on n'a déjà pas de place comme ça avec les trois chiens. Donc, ça serait bien. Et s'il n'est pas loin de ma tête, j'entendrai quand même ses ronrons pour m'endormir. S'il ronronne, j'espère que ça sera un ronronneur. Hein, parce que, wow, ça m'aide à dormir, les ronrons des chats. Truc de fou. Mais du coup, je suis tellement impatiente que je n'arrive pas à penser à autre chose et que je n'arrive à me concentrer sur rien, et ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Enfin, quoi que j'ai bien avancé dans mon German Painting, hein, parce que c'est le seul truc qui me change un peu les idées en ce moment. Voilà, j'ai fait tout ça en plus. Donc là, il faut que je fasse encore la partie ici du bas. Bon, après, il y en a encore. Hein. Je ne sais pas si j'aurai fini à temps. Hein. Au pire, ça sera pour l'année prochaine. J'ai un bricolage à faire, mais j'aimerais bien le faire. Mais en même temps, comme Manon regarde mes vlogs, j'ai un peu peur qu'elle le voie. Enfin, oui, elle le verra. Et du coup, ça va un peu lui gâcher la surprise pour quand elle vient le 30.
Donc je ne sais pas, mais bon, j'ai envie de le faire, quoi. Donc j'ai commandé sur AliExpress et je l'ai reçu, donc je vais vous montrer. J'hésitais pour le calendrier de l'Avent Glam Shop pour un gadget, en fait, qui est un miroir LED. Donc j'en ai commandé un sur AliExpress. Ça fait qu'au lieu de payer 130 euros grosso merdo le calendrier, je l'ai payé 5 euros. Donc on est tout bon. Et en fait c'est un miroir carré comme ça avec des lampes. Et franchement il est super. Je m'en suis servi hier pour arracher un petit peu mes petits poils noirs que j'ai à la barbichette et mes sourcils. Enfin quoi que là il faudra peut-être que je les fasse. Donc voilà, c'est un miroir carré, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous l'ouvrez, vous avez un normal et un grossissant et il s'allume en trois modes, si j'arrive à l'allumer. Donc en très froid, en très chaud et un peu plus froid, mais un peu plus clair, j'ai l'impression. C'est plus neutre en fait. Ouais, c'est neutre. Donc voilà, et c'est hyper pratique. Donc je suis bien contente parce que ça m'aide vraiment quand je dois faire mes petits sourcillons. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je refasse ma colo, moi. Donc voilà pour ça. Mais franchement, c'est pas mal. Alors, vous avez bien évidemment le câble fourni avec, hein, et un manuel que je n'ai absolument pas lu, puisque de toute façon, il suffit de le brancher pour le charger. Voilà. Et le câble, je l'ai déjà rangé, donc je vais pouvoir aller jeter mon petit carton. Et je suis bien contente de mon achat. Là, il faut que j'essaye aussi de... Il faut que je prépare un colis Vinted, parce que j'ai fait une vente Vinted hier. Il faut que j'essaye un peu aussi d'avancer dans mes vidéos pour préparer les vidéos de Noël. Mais en fait, la seule qui me reste à tourner avant d'attaquer les vidéos de Noël, bah, les vlogs bien évidemment, est la box Pelouise d'octobre. Et je devrais bientôt la recevoir, je pense que je vais la recevoir dans la semaine. Donc je ne sais pas comment je vais goupiller ça. Mais il faut que j'installe mon fond de Noël pour faire les unboxings des calendriers. Donc avant le 1er décembre, il faut que j'installe ma déco de Noël en haut. Et je me demande si je vais pas la faire en bas aussi. Mais quoi que, bon, avec le chat, je ne sais pas si je vais faire le sapin. C'est un... entre les chichous et le chat, en fait, je ne sais pas où je vais le mettre, mon sapin. Puisque là, l'étagère, je ne peux plus la bouger. Donc soit je le mets devant l'étagère et on verra pas mes décos, mes autres décos de Noël. Donc c'est un peu chiant. De toute façon, il n'y a que là que je peux le mettre en fait. Hein. Mais je pense que je vais le mettre sur roulette. Oui, il faudrait que je regarde pour mettre directement des roulettes sur le pied du sapin en fait. Je sais pas si en dessous il y a... Ah. Comme ça, je peux le décaler... Vous voyez, ici, le long du muret, il faut vraiment qu'on repeigne, il faut vraiment qu'on refasse le bas, là. S'il est dans les pieds, ben, je peux le foutre devant l'étagère, quoi. Quand on doit rentrer les courses ou des trucs comme ça, je sais pas, il faut vraiment que je vois. L'oncle de Cédric, lui, il le met à l'envers, le sapin, il le pend au plafond. Non, il ne le met pas à l'envers, il le pend au plafond. Ce qui peut être pas mal, mais... Ça change pas que vu que c'est un grand sapin, les bestioles vont aller après. Ou alors j'achète un plus petit. Je ne sais pas. Franchement, je me pose des questions. Je ne sais pas. Je peux pas rester sans sapin de Noël, quoi. Vous voyez. Donc je ne sais pas. Franchement, je suis un peu perdu. J'ai plein de bricolages en tête pour le chat aussi. Sauf que ben tant qu'on n'a pas fait l'enclos, les bricolages ne servent pas à grand chose. Surtout qu'après je ne sais pas où je vais les ranger en attendant, donc mais là je pense que demain je vais peut-être faire le panier que j'ai en tête pour mettre en haut. Voilà. Ou alors je mets le rond en haut, je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. Parce que je pense que je vais lui mettre le hamac là au mur. Et celui, le bout en fer forgé, je vais lui mettre sur le meuble ici, au-dessus de la télé. Comme ça, s'il veut être près de nous, ben, il est près de nous. Et il a accès en montant sur nos bureaux, en fait, sur le meuble. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas sauter trop haut à cause de leur cœur et de leur bassin. Donc, je ne sais pas.
Oui, je me prends la tête, mais il arrive dans 17 jours. Donc, il faut quand même que l'intérieur de la maison soit organisé pour lui. Il faut qu'on aille acheter une litière. J'ai vu un superbe griffoir pour les chats en forme de champignon, ce qui serait génial dans l'enclos, sur le site de Jiffy, sauf qu'il n'est pas dispo dans le Jiffy près de chez moi. Mais je l'ai trouvé sur Temu. Et pour pas cher. Donc j'hésite. Donc je vais voir. Bref, allez, sur ce, ben nous ensuite je joue. Je sais pas ce que je vais faire demain. Moi je pense qu'on. Enfin, je ne sais pas si je vais faire le panier ou pas. Franchement, je suis un peu flagada là en ce moment et comme j'arrive pas à penser à autre chose, je ne sais pas quoi faire en fait. Donc c'est chiant. Bref. On verra bien demain et mardi ce qu'on fait. Sinon, ce sera que du blabla comme souvent. Hein. Parce que demain, j'ai kiné. Enfin. Mardi, j'ai Pilates. Et mercredi, j'ai le médecin. Donc. Bon, vous vous en foutez, vous venez pas avec moi. Mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref, là, je vais manger et aller me coucher parce que je sens que la fatigue arrive. Et avant que chérie rentre du foot. Comme ça, après, j'ai plus qu'à me préparer pour aller chez mon frère. J'ai déjà emballé les cadeaux hier, donc ça va. Et voilà. Donc, ensuite, je joue. Alors, je vais faire le. Il est 13h15. Je vais faire le panier pour le chat, mais je vais vous le faire en musique parce que, comme vous entendez derrière, j'ai le poêle qui est allumé et je suis tout prêt. Donc, pour pas vous déranger avec le bruit du poêle, je vais vous le faire en musique et moi, je vais lancer une vidéo en fond. Donc j'ai juste pris un carton, donc j'ai pris deux sortes de tissus, un bien cosy, ça c'est pour après. J'ai pris un carton Pélouise que j'ai eu du calendrier de l'Avent et chérie me l'a coupé de cette façon. Et comme ça je vais pouvoir, ça va consolider, je vais coller et je vais également lui mettre ceci à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus cosy. Et ça c'est pour consolider le dessous pour le fixer au mur parce que vu le poids du bazar après je suis même pas sûr qu'il rentrera toute sa vie dedans hein. Mais au pire je transformerai un autre carton plus grand et voilà donc je lance ma vidéo et on attaque ça en musique.
Alors, je recommence à avoir mes petites crevettes sur les oreilles. Hein. Il est 13h, je viens de me réveiller de la sieste. Enfin, il y a une heure. Non, une demi-heure. J'ai dû aller me coucher. Bah déjà, ce matin, c'était flemme olympique. Je suis tassée. Hein. C'était flemme olympique parce que je voulais filmer ce matin. La box Pelouise que j'ai reçue hier. Alors, est-ce que j'ai eu la bonne palette ou pas? Vous verrez ça. Je vais vous la mettre... alors, attendez, je reprends mon agenda. Je vais vous la mettre dimanche. Parce que lundi, j'ai un haul Temu à tourner. Je voulais la tourner plus tard, mais comme j'attends encore plein de commandes pour le chat, et que là, il y a les trucs pour terminer les calendriers de l'Avent des garçons, il faut que je filme ça, et je ferai le haul spécial chat quand j'aurai reçu pendant le calendrier de l'Avent. Hier, on discutait de la litière avec Chéri. Oui, on se prend la tête pour des conneries. Hein. J'aimerais bien aller prendre les mesures pour faire le Casio. Ça s'appelle un Casio, tiens, j'ai vu ça, l'enclos dehors. Sauf que ben, il fait dégueulasse. Il fait que pleuvoir depuis hier ou avant-hier. Hein. Donc, je ne peux pas aller prendre les mesures. Et j'ai un gros carton, le carton du WC, dans la buanderie que j'ai demandé à Sam de me sortir, qui ne m'a pas sorti d'ailleurs, que j'aimerais transformer en cabane pour le chat, pour mettre dehors, ou voir peut-être même à l'intérieur, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est vraiment très gros. Et donc oui, pour la litière, on discutait, un bac à litière classique pour un Maine Coon, ça ne va absolument pas, parce qu'il c'est trop, beaucoup, beaucoup trop petit, ça fait des cacas de chien, n'est-ce pas, vu la taille du bazar. Donc du coup, je pensais soit acheter un grand bac en plastique, et mettre ça comme ça dehors, hein, l'enterrer un petit peu dans la terre et le mettre dehors. Et puis après, en discutant avec Chéri, on disait, bon, on n'a qu'à acheter un gros bac en plastique chez Action qui se ferme. On fait un trou dans, sur le côté pour mettre la litière à l'intérieur et que le chat puisse rentrer dedans. Et j'ai été voir les prix. J'ai eu le bout du nez, Julie. Ils sont quand même presque... Ils sont entre 20 et 25 euros. Hein, ça dépend un peu de la taille. Et en allant voir sur Jiffy, je me suis dit, peut-être qu'il y a des... moins cher, enfin des bacs moins chers, j'ai vu carrément un coffre de jardin en plastique à 27 euros. Donc là, j'ai envoyé un message à Chéri, je lui ai dit si t'as le temps, on va le chercher parce que ce soir il a rendez-vous chez le dentiste, donc il aura peut-être pas le temps. Et moi j'ai Pilates ce soir, demain j'ai le médecin, donc demain on n'aurait pas le temps non plus parce que j'ai le médecin, je sais pas combien de temps j'en avoir, mais j'en avoir pour un bon moment. Voilà, comme ça, pareil, on fait un trou dedans pour qu'il puisse avoir accès. Et en même temps, ça s'ouvre et ça se ferme. Ça se... Enfin, c'est juste un coffre, quoi. Donc, ça serait à l'abri de la pluie dehors. Enfin, de l'humidité, on va dire. Parce que, de toute façon, il y aura le toit au-dessus. Et voilà. Donc, je vais juste préparer pour quand on aura des crochets. Comme ça, j'accroche directement la petite pelle et les petits sacs à caca pour laisser dans le couvercle ou sur le côté. Je ne sais pas trop comment je vais accrocher ça. Comme ça, bah, tous les jours, j'ai plus qu'à aller ramasser le petit caca, mais le gros caca. Donc voilà. Et là, je me suis dit, j'ai retrouvé ça. Je l'avais acheté chez Action et il traînait là sur un meuble. Je vais le faire ça, comme jouet. Et du coup, j'aimerais bien acheter le renne, parce qu'il y a un renne de Noël là, aussi. Donc j'aimerais bien lui acheter celui-là aussi pour lui faire. On ira chez Action, je pense, à la fin de la semaine prochaine pour acheter tout ce qui me manque. Les gamelles, ça vient de Temu, je les attends. Les paniers, j'en ai que un sur les deux que j'ai commandé qui a été envoyé sur Vinted. Heureusement, c'est le plus beau. Et voilà. Et je vais voir un peu s'il y a des trucs que je peux encore avancer en bricolage pour me changer les idées parce que je vous dis, c'est une obsession. Mais après, j'ai une patience d'ange, hein. Tout le monde le sait. J'ai une patience d'ange pour tout ce qui est m'occuper, ben justement m'occuper des animaux, leur faire des petits bricolages ou des DIY tout simplement, hein, les trucs de perles et tout ça, vous voyez que j'ai super beaucoup de patience, mais pour attendre quelque chose, j'ai pas de patience. Alors que le chat, je l'attends depuis que... ça fait au moins 20 ans que j'attends d'avoir un Maine Coon. Enfin, depuis que je connais la race en fait, que j'ai vu passer la race. Et je suis pas 15 jours près quoi. Mais si, voilà, exactement. Maintenant, mais même ça, il piétine aussi un peu. Il me dit, oh,
Vivement qu'on l'ait, j'espère que le chat sera calme. Hein, n'arrête pas. Donc moi je vais m'amuser à faire ça. Je vous montrerai le rendu certainement dans le prochain vlog, oui, ça c'est sûr. J'allais dire demain, mais pour vous c'est le prochain vlog. Et je vais également, j'ai une grosse paire de chaussettes en haut que je ne mets plus, les toutes grosses, la fourrée. Donc je pense que je vais lui mettre ça comme jouet aussi. Je vais peut-être lui mettre du papier à l'intérieur pour que ça fasse du bruit quand il le froisse, le fermer, faire une espèce de petit boudin hein, comme ça. Mais parce qu'au début, il sera un peu plus petit que quand il aura 6 ou 8 mois. Mais après, les petits jouets comme ça de chat, on ne fera pas long feu à mon avis. Hein. Donc voilà, voilà. Hier, je suis tombée sur une vidéo. Et alors moi qui adore les Maine Coon depuis très longtemps, je connaissais quelques petits trucs. Alors le seul truc, enfin ce que je ne connais pas et qui est hyper marrant, hein, c'est la taille réelle du chat en fait. Puisque j'en ai jamais vu un en vrai. Alors je sais que c'est gigantesque, voilà, quand on voit les photos, les gens ils les tiennent comme ça. Mais par rapport à moi, parce qu'en fait avec ma vue j'ai un problème d'espace, hein, donc je me rends pas compte vraiment de la taille des choses en fait, ou de la distance des choses et tout ça. Et, enfin si, en réel, hein, mais en photo, j'arrive pas à me rendre compte en fait. J'ai un bug dans mon cerveau, j'arrive pas vraiment à me rendre compte de la taille des choses sur une image. Donc, j'ai hâte de voir les parents, j'espère que je les verrai d'ailleurs, les parents de Yoko, puisque, pour voir à quoi je dois m'attendre, parce que je ne me rends pas compte comme ça. Mais du coup, la vidéo, je vous la mets en barre d'infos si j'oublie pas, pour ceux que ça peut intéresser. C'est une jeune fille qui parle des Maine Coon, elle a fait des recherches sur les Maine Coon et elle a un Maine Coon, donc elle explique un peu le caractère du sien et tout ça. Et j'ai appris plein de choses en fait. Parce que chérie me disait, l'enclos, ça peut attendre le printemps, mais c'est des chats qui adorent la neige. Donc on va pas attendre, on va pas le priver de ses premières neiges, le pauvre petit minou. J'ai appris qu'il ne miaulait pas vraiment, il roucoule et il caquette. Ça m'a trop fait. Bah, bref, j'ai appris plein de choses. Et j'adore apprendre des choses, déjà de une. Et en plus, j'avais jamais fait des grosses recherches par rapport à la race, puisque c'était pas dans le projet immédiat d'en avoir un, surtout depuis le temps que j'attends. Mais là, comme je vais en avoir un, forcément, comme tous les animaux que je prends, même par rapport à une race de chien, si je connais pas la race par cœur, comme par exemple les chihuahuas, je connais par cœur, avant d'avoir Ryan, avant d'avoir Riley, je prends mes informations. Et ben là, je fais pareil avec le Maine Coon, j'ai fait pareil avec les titis, avec les chichous, voilà, pour qu'ils soient au mieux en fait, hein. C'est vraiment, je fais ça pour pas déjà faire de bêtises, parce qu'on pourrait facilement faire des bêtises, bon après, ça reste un chat, on est d'accord, tout le monde s'est occupé d'un chat, mais voilà, il y a des choses comme par exemple la litière, c'est vrai que j'ai pas tilté sur le moment, alors oui, une litière basique, il va y aller peut-être 2 mois, 3 mois, après il rentrera plus dedans, ou il fera à côté, vous voyez, donc non, pas envie. Donc voilà, c'est des trucs forcément on n'y pense pas sur le moment parce que ça reste un chaton pour l'instant. Donc c'est des trucs à prévoir. Bon, en attendant, c'est sûr que je peux mettre un bac à litière classique en attendant. Mais. Voilà. Oui, je suis impatiente. Je suis tellement impatiente. Tellement. Et j'ai été voir aussi pour les croquettes. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des Maine Coon, dites-moi ce que vous leur donnez en croquettes. Parce que j'ai vu que Royal Canin faisait une marque spéciale, enfin une gamme spéciale Maine Coon. Maintenant, je pense pas que ce soit indispensable. Mais j'aimerais bien savoir si il faut lui donner des sans céréales ou pas, si ça change quelque chose. Quel gabarit de croquettes aussi, parce que je me rends pas compte du gabarit de croquettes que ça peut manger ce genre de chat. Ce que j'ai appris, c'est que ça mange au moins 7 kg de croquettes par mois. Donc voilà, les petits paquets de 400 grammes, autant vous dire que ça fait quasi qu'un repas. Donc il faut vraiment que je trouve des gros paquets, quoi. Comme celle du chien. Maintenant, est-ce que je peux donner des croquettes de chien au chat? Ça, je demanderai au veto, je pense. Parce que l'éleveuse, elle va me dire non. Le vendeur chez Domenico va me dire oui. Donc je faudrait que je demande à un veto. Voilà, voilà. Mais pour l'instant, on va lui acheter des croquettes chatons. Jusqu'à leurs 6 mois, ils doivent manger des croquettes chatons. Et après, ils peuvent passer aux croquettes normales. Et de toute façon, après, il sera stérilisé. Donc, je pense que j'alternerai une fois entre croquettes classiques et croquettes spéciales stérilisées pour pas qu'ils prennent trop de poids. Parce que c'est déjà des chats qui ont tendance à être obèses.
vu que leur passion première dans la vie, c'est dormir et manger. Comme pour beaucoup de gens. Bon, allez, sur ce, j'arrête de baragouiner. J'espère que le petit panier vous a plu. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas combien de temps il ira dedans. Hein. Mais voilà, après, au pire des cas, s'il ne s'est plus rentré dedans, je trouverai un plus gros carton. Et je recommencerai. Mais je le trouve très beau. J'étais assez fière de moi, du rendu final. Et je ne sais pas où je vais le mettre, hein, parce que, voilà, je vous ai dit, j'ai déjà commandé 3 paniers. Donc, je sais pas où je vais le mettre. Bon, après, comme il y aura l'enclos, il y a beaucoup de choses qui pourront aller dehors quand il fera bon. Et voilà. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser un gentil commentaire. Alors, pour ceux qui ne savent pas quoi mettre, mettez des tasses de café. Voilà, en emoji. Mettez-moi des petits cafés pour me réchauffer. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.